J'en ai vu des écouteurs avec réduction du bruit. À 99 francs, c'est pas cher. Je te fais gagner le W51, mon frère. Adieu cette équipe. Comment ça va, la forme? Aujourd'hui, de retour pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter les bébés qui sont ici. Je vais vous présenter aujourd'hui les derniers écouteurs de Oppo, le W11, W31 et W51. Et du coup, pour faire cet unboxing, parce que vous l'avez sûrement vu, il est posé là-bas en train de chiller et tout, notre ami Mathias Thalmann. Salut. Mathias Thalmann, après vous, bienvenue. Allez, je vais dormir, faire un somme, un Oppo somme. Oh. Allez, à plus, hein. Oh, il part vraiment pour merde. Alors, on va faire l'unboxing. Salut, cette équipe. Tu recommences depuis le début. Sur cette belle opportunité. Oh, putain. Mathias, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va bien, oui. Oui, oui, c'est bon, oui. Je suis un fan de McFly et Carlito, laissez-moi reprendre des trucs, c'est bon, il n'y a pas de plagiat. Donc, on va déballer tout ça. Ce n'est pas du tout de la discrimination, mais je te laisse commencer avec le petit. Pendant que lui, il déballe et puis que vous pouvez voir à la caméra du haut. Petit détail, voilà, il n'y a pas 36 000 trucs à raconter, disons, c'est des écouteurs, quoi. Le W11, donc, c'est le plus petit. Disons, c'est l'entrée de gamme des écouteurs. Cette entrée de gamme déjà est proposée au prix de 56 francs. D'accord. Un blanc nickel Brunel. Il y a le câble ici. USB-C. USB-C. Ah. USB-C. C'est un câble USB normal à USB-C. Oui. Voilà. J'aime bien ça, le principe. C'est juste. Hop. Ouais. Ah, c'est les bouchons de pour les oreilles. Pour régler la taille. La taille des donc écouteurs. Ouais, donc ça c'est aussi un point important parce que certaines marques ne proposent pas justement la possibilité, disons, de régler la taille. Tout le monde n'a pas les mêmes oreilles. Vous avez l'opportunité de régler ceci avec un adaptateur. Je trouve que cette blague, il l'a fait au moment opportun. Oh, regarde, tu vois là, c'est un opossum. J'ai mis un opossum là. Coucou. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il pourrait mettre aussi un hippopotame? Oh putain. Il a tout déballé, tout va bien. Vous êtes prêts? C'est parti. Ceci est un fail. Faut savoir qu'il est IP55, donc ça veut dire qu'il est résistant aux éclaboussures d'eau. Pas aux jets d'eau, mais aux éclaboussures. Pourquoi c'est important? Parce que les autres sont IP54, alors que celui-là, il est IP55. Par rapport à l'autonomie qui est importante, il faut savoir que l'autonomie, les écouteurs tiennent 5 heures grâce à la boîte, parce que la boîte, vous pouvez recharger la boîte qui vous permet de recharger vos écouteurs. Ça vous permet d'écouter de la musique pendant 20 heures. Les écouteurs sont tactiles. Nouvelle technologie Bluetooth, donc Bluetooth 5.0. Tu peux l'utiliser seul ou les deux écouteurs en même temps comme tu veux. Là, normalement, si j'ouvre là, il devrait détecter. Oh, pas du tout. Voilà! Tip top, t'as vu ça? La vitesse que t'as vue de connexion, c'était ça. Du coup, je remets et là, c'est bon, il peut ranger. Allez, c'est ciao. Tiens, si tu veux, pour pas perdre le fil. Ceci est un câble, ce n'est pas un fil. La vie tient à un fil. Donc, si jamais, maintenant, on commence à aller pop, pop, pop. Oppo N Pro W31. Hop, celui-là, il est rond. On dirait un peu un fond de teint. Franchement, c'est stylé. Est-ce qu'on est surexposé? On ouvre. Ouais, elles sont pas belles. Elles sont stylées. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? La même chose qu'avant, je crois. Ouais, c'est la même boîte. Hein. C'est la même boîte, en fait. Vous avez le câble USB à USB-C. Et là, vous avez les adaptateurs, évidemment. Parfait, très bien, je remets ça. Du coup, je vous donne ça. Oppo Find X2 Pro. Yes. Vous allez me dire que maintenant, les trois écouteurs seront connectés à mon téléphone. Oui, c'est exact. Troisième. Celui-là, il est encore emballé. Hop, un petit coup là. Un petit coup là. Un petit coup là. On est sur le W51. Ah ouais, mais en fait, je reviens sur le 31 parce que je me rends compte que je vous ai même pas dit que l'autonomie du W31 sans le boîtier est de 3,5 heures. Oui, c'est moins que l'autre parce qu'il est plus performant. Et avec la boîte, c'est 15 heures. IP54, du coup, là, nickel pour le sport. Pour les sportifs, si tu veux faire un peu de sport, tu vas suer et tout, faut pas prendre le 11. C'est pas bien. Pourquoi? Pourquoi pas? Ok. Faut prendre celui-là parce qu'il est IP54, lui il est IP55. W31 est au prix de 8 francs. Voilà. Donc nous continuons pendant que lui il descend les escalators. W51, le summum du summum. Là on est sur du premium, mon frère. La haute gamme. Bien emballé, tout et tout. C'est cool parce que les trois ils ont des formes différentes. Oh, c'est
Donc, dans le paquet, câble USB à USB-C, et vous avez ici présent beaucoup plus de taille de choix d'adaptation de vos oreilles. Comme ça, t'es sûr que tes écouteurs, ils vont fit tes oreilles. Ici, nous avons les écouteurs de couleur noire. Il faut savoir une chose, tout d'abord, c'est qu'on va déconnecter. Donc là, pareil, je vais ouvrir. Oh, c'est joli parce que ça dit l'appareil. Ça, c'est un appareil. C'est un appareil. Vous avez tout un guide qui vous explique un peu comment fonctionne l'appareil. Je suis abasourdi. Il n'y a pas de jeu de mots. Frère, j'ai jamais connecté des écouteurs aussi rapidement de ma vie. Acceptes-tu ma proposition? Mon frère, la marque à la pomme, là, elle peut rentrer chez elle. Hein. Au niveau design, mon frère, faut arrêter d'aller manger des pommes. Hein. Là, faut aller manger des... Faut savoir que le W51, l'avantage qu'il a par rapport aux autres, c'est qu'il a le... La couleur noire. C'est la couleur noire. Il a le noise cancelling. Ah oui. Moi, je vous dis d'expérience parce que j'ai déjà testé d'autres écouteurs, d'autres marques. Quand t'as testé la réduction de bruit, mon frère. En gros, si tu mets la réduction de bruit, ça... Là, tu les enlèves et puis c'est hyper trop stylé. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que tu vas rester là-dessus. Faut savoir aussi que celui-là, donc au niveau de l'autonomie, avec la réduction de bruit, les écouteurs pendant 3h30 non-stop, avec le boîtier 20h, sans le réduction de bruit 4h, avec le casque 24. Et au niveau du prix, nous sommes à 99 francs. J'en ai vu des écouteurs avec réduction du bruit à 99 francs, c'est pas cher. Je te jure mon frère, c'est pas cher. Je vais juste vous faire un petit test de design là. Je peux montrer un truc que je sais faire. Vas-y. Mais tu sais que je sais faire. Ouais. Donc, celui-là, il est pas mal. Donc, ce qu'on disait, j'ai testé le W51 là. Les W51 sont plus légères que les W31 qui ont plus ou moins le même design. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ça tient bien. Voilà, du coup, on a fini avec la vidéo. Je sais pas si vous avez une opposition. Maintenant, une musique de boss. Le respect. Oh, bien, j'arrive. C'est important de liker la vidéo. Ah oui, voilà, yes. Il y a un petit concours, là. Je te fais gagner le W51, mon frère. Je t'explique. Si tu souhaites gagner ces écouteurs, l'Oppo Enco W51, il te suffit tout simplement de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo et en fait de mettre un commentaire sous cette vidéo. Voilà. Un, ça me fera du référencement, mon frère. Mais surtout, c'est parce que je ferai le tirage au sort parmi les commentaires. Donc, si tu mets pas de commentaire, je vais pas pouvoir te tirer au sort. Je ne peux pas gagner l'écouteur que je viens de mettre dans l'oreille. Je vais vous faire gagner un œuf et tout, c'est le fané et tout ça. Hein. Vous avez quelque chose à rajouter? Bonne chance. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se voit très très vite pour une autre. N'oublie pas de participer au concours. Bonne chance.